Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau journal de campagne. Le stade Jules-François Bocandé de Ziguinchor a reçu la visite du leader de la coalition, son co-président. Dans ce stade, Ousmane Sonko a promis de changer de paradigme de développement en Casamance. Il compte faire de cette région située au sud du Sénégal un pôle de développement. Ziguinchor a répondu favorablement à l'appel d'Ousmane Sonko, leader de la coalition, son coprésident qui a relevé le pari de la mobilisation, défiant le président sortant Macky Sall qui était également dans la ville ce jour. Lors de son meeting au stade Jules-François Bocandé, Ousmane Sonko, qui participe pour la première fois à une élection présidentielle, a décliné ses ambitions pour une Casamance verte. Les solutions que nous vous proposons, la première, c'est de faire de la région naturelle de la Casamance un véritable hub commercial et financier régional. Comment le faire? Le premier, c'est que le port de Ziguinchor sera élevé au niveau des standards internationaux. La deuxième chose, c'est que les marchés seront modernisés et réorganisés afin de servir de lieu d'affaires dans les pays limitrophes. L'éducation tient à cœur aussi le jeune politicien Ousmane Sonko. Il compte faire de Ziguinchor un centre d'excellence pour l'éducation. D'ailleurs, selon lui, l'université Hassan Seck de Ziguinchor ne répond pas aux normes de l'enseignement supérieur. Ça, ce n'est pas une université, c'est un lycée, ou même moins qu'un lycée, c'est un collège. Ce n'est pas digne d'une université. Et nous voulons faire de cette université-là une très grande université sous-régionale et une université d'excellence pour que les étudiants puissent venir de partout. Visiblement revigoré par la présence massive de ses partisans dans le stade Jules-François Bocandé, le candidat de la coalition, son coprésident, se voit déjà vainqueur de l'élection présidentielle dans la partie sud du pays. De son côté, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck était en opération de charme dans la région de Sédiou en Casamance. Il estime que le président sortant n'a pas respecté ses engagements pour la région du Sud, notamment dans le domaine de l'électricité et des infrastructures. Idrissa Seck se dit prêt au soir du 24 février 2019 à se concentrer sur tous ces problèmes dont souffre Sédiou quand il sera élu par les Sénégalais. Eladine Diaye. Dans son programme pour Sédiou, Idrissa Seck envisage de combattre le chômage qui touche principalement la jeunesse de cette région située au centre de la Casamance. Le candidat de la coalition, Idi 2019, leur a promis des infrastructures sportives. Stade municipal des Mayors. C'est le symbole de l'échec de la politique sportive du gouvernement sortant. Chômage, chômage ou jeunie, chômage ou naouni. Chômage ou naouni. C'est totalement inacceptable, c'est totalement intolérable. Pour combattre le chômage des jeunes, Idrissa Seck propose une politique axée sur les PME-PMI à l'échelle régionale avec l'éclosion d'un écosystème économique local. On offre une politique de développement économique et de redressement de la situation du pays sera axée sur le développement des petites et moyennes entreprises à l'échelle régionale, départementale, pour que la commande publique soit décentralisée et puisse promouvoir l'éclosion d'un écosystème économique local. Le leader de la coalition Idi 2019, Idrissa Seck, a déclaré durant ce meeting toute sa sympathie aux forces de l'ordre sénégalaises à qui il promet une assistance plus soutenue en cas de victoire finale. Au 10e jour de la campagne en vue de l'élection présidentielle au Sénégal, le candidat Modike Niang était en meeting dans la région de Kaolack, dans les villes de Porokane et Kaolack. C'est en présence des chefs religieux de la région qu'il a décliné une partie de son programme qui sera plus particulièrement appliqué à cette zone du pays. Reportage Cheikh Omar Bandaogo. Le candidat à l'élection présidentielle Modike Niang poursuit sa tournée de campagne dans les régions du pays. Arrivé à Porokane et Kaolack, c'est surtout devant les dignitaires religieux de la région qu'il a décliné ses ambitions pour le Sénégal. Le candidat a déploré le fait que jusque-là, l'université promise à la région ne soit toujours pas une réalité. Il compte revoir aussi à la hausse les financements accordés aux femmes pour leur permettre d'atteindre l'autonomisation à travers la réalisation des projets dont elles sont porteuses. Pour atteindre cet objectif, l'ex-ministre des Industries et des Mines mise sur le développement des PME et la multiplication des unités de transformation locaux.
El Hadj Issa Sall, de son côté, a tenté ces dernières heures de rassurer la population sénégalaise suite aux altercations populaires ayant causé la mort de deux personnes à Tabacounda. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur a surtout précisé qu'il poursuivra sa campagne électorale dans les différentes régions du pays. Ange Dominion. Suite aux altercations ayant causé la mort de deux personnes à Tambacounda au Sénégal, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement Pur, El Hadj Issa Sall, a déclaré lors d'un communiqué n'avoir pas suspendu sa campagne électorale. Le candidat du Pur affirme également avoir regretté les violences ayant émaillé le passage de sa caravane dans la région de Tambacounda. Face à cette situation, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Tambacounda, Demba Traoré, a annoncé l'interpellation de 24 membres de la sécurité du cortège du Parti de l'Unité du Rassemblement dans le cadre de l'enquête ouverte pour situer les responsabilités de ces violences. Et pour finir, Macky Sall, président de la République du Sénégal, est candidat à sa propre succession à l'élection du 24 février 2019. À la tête de la coalition Beno Bokk-Yakaar, Macky Sall doit défendre le bilan de son premier mandat pour espérer continuer la mise en œuvre des mesures entamées depuis 2012. Voici le portrait du président sortant avec Matida Diaby. Ministre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, autant de postes que Macky Sall a occupés avant de devenir président du Sénégal en 2012. C'est à la tête de la coalition Beno Bokk-Yakaar qu'il a remporté le second tour de l'élection présidentielle de 2012 et qu'il se représente en février 2019. Nous avons désenclavé de nombreuses zones intérieures de notre pays grâce à une politique soutenue de construction d'infrastructures. En mettant en œuvre une politique audacieuse de modernisation de nos infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires et aéroportuaires, nous avons placé notre pays sur la rampe de l'émergence. Hisser le Sénégal au rang de nation émergente, c'est ainsi que le président sortant Macky Sall définit sa politique. La mise en œuvre du troisième pilier du plan Sénégal émergent a débouché à la réforme constitutionnelle adoptée en 2016 visant à renforcer les institutions et le développement de plusieurs infrastructures à travers le pays. Mes chers compatriotes, avec votre confiance renouvelée, je consacrerai ce deuxième mandat à l'intensification de la mise en œuvre du PSE et de notre marche résolue vers l'émergence. Notre pays s'ouvre de nouvelles portes de progrès. À l'approche de l'élection présidentielle du 24 février 2019, Macky Sall défend son précédent mandat face à ses quatre autres adversaires. Pour rappel, sont en course Idrissa Seck, Madi Kenyang, Ousmane Sonko et Issa Sall. Ainsi s'achève ce journal de campagne. Merci pour votre fidélité à Africa 24.